Wesh les potos, c'est Skyzen, bienvenue sur la Skyzen TV, j'espère que vous allez bien, hein, toujours, vous-même vous servez, ouais, ok, bon, bref, bon, on est sur l'ombre du Mordor, les gars, on est parti, on avait déjà fait une première partie, et moi je compte bien finir cette partie, les gars, en votre compagnie, donc on est parti, ça fait trois fois que je suis parti, c'est pas grave, allez, c'est cadeau, c'est pour la femme, mais les amis, les cousins, les cousines. Bon, on cherchait notre cible, donc on avait dit qu'on allait marquer sur Lugash le gaveur, qui est juste à côté de nous. Donc on va s'empresser tout de suite de le bouffer, hein, de le gaver. Alors je sais pas si ça vous gêne de voir cette vue là, dites-le moi en commentaire sinon. Parce que ma télé se trouve par là, donc ça me dérange un petit peu de... Moi je sais pas. On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Lugash. La mort est venue te venir te voir, mes amis. La mort t'a trouvé. La mort ne te lâchera plus. Mais pas cette fois. Je me suis enfui. Je me suis enfui. Tu veux que je te montre à quel point je m'enfuis? Tiens, je te montre à quel point je m'enfuis. Tu crois vraiment que je m'enfuis à cause de toi? Toi, tu te dégages, tu étais sur mon chemin. Ah bon? Ah bon? Non, je suis pas d'accord. Hein. De quel doigt tu me touches? Ouh, il m'a fait mal. C'est ton copain qui va appeler les secours, ça sera trop tard. Car on ne peut pas te sauver. On ne peut pas te sauver, mon ami. C'est la dernière cible, les gars. Par contre, celui-là, on va lui laisser un petit peu. Enfin, avant de le tuer, on va lui extirper quelques renseignements parce que je suis à court de Captain Abuté. Les gars, j'avais pas remarqué, vous voyez en haut, il y a terminé en 50 minutes. Attendez. Terminé en 50 minutes, ne mourrez pas plus d'une fois. Malheureusement, j'étais mort étant moins habitué. Et obtenez un score d'au moins 25 000. Ok. Donc on va se battre pour avoir ça, d'accord? On fait ça? Vous-même vous savez. Bon. Lui il va affronter un Caragor. Il a deux haches. Putain, j'aime pas les gens comme ça, ceux qui ont deux haches là. Les gens n'ont pas participé, mais bref. Donc les gars, vu que justement on doit le faire le plus rapidement possible, moi je vais pas perdre de temps. Attendez, lui déjà je vais le mettre dans mon équipe. Attendez. Quoi, il l'a buté? Ah ouais, mais il était à terre. Il y a même pas deux secondes, il était à terre, il a déjà buté. Bon, c'est pas grave, moi je vais le tuer. Je vais finir. Comment as-tu osé buter mon allié? Je ne suis pas un homme. Je suis un pour l'instant. Il défend bien. Non, parce que je veux le faire. Mais c'est pas ce que je veux faire, je veux juste me relever, putain. Et là, il va le faire sur notre gars, là. Wouah! Et il se bat bien! Il se bat vraiment bien, les gars, on a un problème. Tu veux défier la mort? Mais tu es fou! Tu es complètement taré, mon gars! Ça te coûtera la vie! Oh putain, j'adore ce jeu! Vous voulez me défier? Non? C'est bien ce que je me disais. On va faire ça comme ça. Et comme ça on va le prendre et on va lui demander un petit peu des renseignements sur ses capitaines. Hein, d'accord? Allez. On va lui demander des renseignements sur ceux-là. J'ai envie de taper du gros. Ah, on peut pas lui demander, d'accord. Bah, c'est sur lui que j'ai marqué. Cervelle à l'air. Ah ben. Ah ben oui, il a la cervelle à l'air. Ben oui. Ok. Les gars, on l'a marqué. On l'a trouvé, on y va. Bon, par contre, j'ai remarqué un truc, ça fait déjà 44 minutes de truc, parce que ouais, j'avais déjà commencé à jouer avant. Malheureusement. Oh, il a buté mon Caragor. Non, pas mon poney. On va le venger, les gars. Je vous jure qu'on le vengera. La mort vient de te trouver fois 4, toi. Pour avoir buté mon poney. Ça va pas? Eh, il connaît pas petit poney, lui. Ah non, t'es fou, mon gars. Tiens. Au suivant. Tiens! Bah ouais, mais maintenant t'as plus que ta cervelle, mon gars! T'as plus que la cervelle! T'as toute ta tête qui est à l'air! Ta tête elle est même plus en couleur à ton corps, mon gars! Bon, les gars, il y a directement un truc qui s'est fait ici. Donc on va carrément le faire. On va essayer de le faire quand même en speedrun. On va essayer de voir un petit peu si ça passe ou si ça casse. Mais je pense qu'en 50 minutes, les gars, c'est mort. Allez, Pigougle noir! Libérez-le! Pigougle noir! L'heure est mort! Regardez ça, c'est tellement stylé. L'heure de ta mort est arrivée. Tiens! Qu'est-ce qu'il a peur de ça?
Merde, le caragor. Il est pas vers moi là. Voilà, dans la tête. Attendez. À moi de te finir maintenant. Oui, moi. Devine qui je suis. Devine. T'as dû avoir trois chances. Le premier. C'est quoi? Un homme? Ah non, 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 je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis celui qui viendra te tuer. Attendez. Oh merde, je l'ai tué dans la tête, merde. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Et on va même pas chercher des renseignements, on va envoyer une menace de mort au gros capitaine. Ah non, non, on peut pas. On va envoyer une menace de mort à celui-là. Voilà, il a l'air bien, voilà. Tu vois? Tu vois le truc? Bien moche, t'as vu? Bien. Bonjour mon ami, alors je t'explique. La mort n'est pas encore venue te trouver, mais la mort a besoin de toi. Alors, donne-moi mes renseignements, je te laisse vivre. Dans lui. Merci petit poney, je te laisse vivre. Bon, maintenant on arrête et on va directement choper cette putain de capitaine. Bon, celui-là il faudra pas les tuer. Celui-là il faudra pas les tuer, il faudra les contrôler les gars. Il faut la nettoyer tout autour d'eux en fait. Ça de pas se faire brave. La mort t'a trouvé, la tag. La tag. La mort t'a trouvé. Et la moitié est venue te rejoindre. Oh t'as peur des caragors, c'est mignon. Viens me voir. Eh ben ouais. Eh ben ouais, bonne nuit. Eh ben ouais. J'ai besoin de toi, poteau. Pourquoi tu me fuis? Ben voilà, t'es tombé. Bravo. T'as tellement peur. Pourquoi tu as peur? Mon visage est si doux. Le visage de la mort est si doux, les gars. Viens ici. Non, non, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Putain, c'est ici que je vais l'attraper. Putain, va falloir que je domine là. Ah! Chier! Tout de suite! C'est bon, c'est bon, c'est passé. C'est passé, les gars, c'est passé, c'est passé. Bon. On va lui demander des renseignements. On va lui demander des renseignements sur, sur son chef, tiens. Quel est ton chef? Oh! Ah, dégueulasse! Bien. Bien, mon ami. Tu m'aideras à tuer. Tu m'aideras à tuer. Merci, mon ami. Allez, go. Ok, les gars. On va tuer notre premier gros. Tout va bien se passer, les gars. Bon, par contre, apparemment, faut faire des... Ah oui, il faut faire des objectifs avant. Coucou. Bon. Ok, les gars. Ça y est, c'est arrivé, les gars. El Campion est arrivé. Ha, ha. Le gars s'appelle Lugnac, le décédé. Devinez qu'est-ce qui va lui arriver. Il va décéder. Ben oui. Mon remède. Ah, te voici. Tu viens m'observer de loin, hein. Moi, je préfère être tout près. C'est vrai. Pourtant, je suis tout près de toi, là. Viens, on se voit. Ah non, il faut pas commencer. Putain, vraiment que j'ai pris l'autre. Tiens. Putain, mais il est où, mon pote, là? Les gars, j'annonce juste... Ben oui, ben commence par revenir à la vie, on en parlera après, d'accord. Bon, tu vas me donner des petits renseignements sur tes poteaux, d'accord. Donc, hein. Donc déjà, toi, je te possède. Je me demande si on va pas le garder possédé, en fait. Je pense qu'on va le garder possédé et on va lui extirper des renseignements au fur et à mesure. Comme c'est un boss, vous voyez. Je pense qu'on va faire ça, de préférence. Voilà. Et on va le évoquer. Je te laisse partir, en fait. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Et on va chercher celui qui est sous la liste encore. Je prends mon poney, bien sûr. Vous connaissez déjà les bails, les gars. Oh, 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 j'ai perdu le feu. Oh putain. Arrête de bouger, poney. Poney, 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 on se calme. Poney. Voilà, tout doux. Putain, j'ai failli me prendre un coup de mâchoire dans la gueule, les gars. Ok, les gars, ça y est, on est au point de rendez-vous. C'est parti, folie meurtrière, les gars. Niveau 17, on lui fait la misère. On lui fait la misère. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire à ces gars-là? Je pense qu'il y a encore une petite énigme. Tu
tuer deux Zouk en 45 secondes. Merde, bon vous savez quoi, on va passer dans... Non, 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 descend, 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 on n'a pas le temps, putain, descend. On va quand même en faire ça comme ça. Lui, il m'a vu. Appelle tes copains. Voilà, 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 appelle tes copains. Oui, t'as vu, y a l'autre gars là. Voilà, toi, tu meurs tranquillement. Lui, il va appeler ses photos. Je vais tuer 5 Kourouk. 5 Kourouk en 45 secondes, ok. Donc là, j'ai commencé, c'est parti. Voilà, poteau. Ben, y'a quoi, y'a quoi. Toi, tu veux quoi. Toi, tu dégages. Ok. Comment on fait ça déjà. Ah oui, c'est... Tac. Et... Voilà, comme ça, ça c'est fait. Toi aussi. Moi, j'ai pas le temps. Voilà, vous cherchez la mort. Oh merde, y a le poteau qui est arrivé, les gars. Y'a le poteau qui est arrivé. Ratloug, les gars. Ratloug. Alors, lui, les gars, on va pas le buter non plus. On va essayer de le maîtriser. On aura peut-être besoin de lui après. Ok. Putain, il y en a plein des trucs comme ça. Vous savez, ceux qui ont les deux armes là, j'aime pas. Ratloug est là. Ratloug est là, les gars. Oh, on peut plus gagner de points parce qu'on devait faire ça avec un certain nombre de points. De temps. Wesh. Par contre, il commence à être plus beaucoup là. Wouah. Eh, il n'y avait pas tout ça de monde sur ma liste, hein, les gars. Je passe en mode Dovahkiin. C'est fini. Vous voulez toujours jouer avec moi ou pas. Toi. Maintenant que j'ai battu tes guerriers, je vais t'affronter toi. Tu peux pas finir embroché sur ma lame. Ratloug, viens me voir. Ne chantez pas, Ratloug. Et toi, comment oses-tu me dire que tu es plus fort que moi. Toi, j'ai buté bien avant lui. Tu m'as saoulé. Parce que oui, tu m'as tapé et je suis pas d'accord parce qu'on tape pas, on me tape pas moi. C'est moi qui tape. Qu'est-ce que tu fais, Ratloug. Tu as perdu. Tu me le paieras. Je t'aurai la prochaine fois. Avoue vie. Que tu as perdu et je te tiendrai par rigueur du coup que tu m'as mis. Quoi. Il veut pas abandonner. Tu as perdu. Tu as perdu, Ratloug, ça suffit. Abandonne. Tu l'as cherché, mon ami. À la base, je voulais pas le buter, hein, les gars. Je jure que je voulais pas le buter. Oh, fait chier. Ah, quoique, une rune épique. Ratloug est mort. Ok, ça fait moins un sur la liste. Bon, les gars. Bon, je crois que ça fait quand même pas mal de temps qu'on filme. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Hein. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite, peut-être. Allez, ciao, peace, bye, c'était Skyzen, peace.